J'interviens ici en qualité de référent associatif, Association Nantaise pour les déplacements et l'environnement, et surtout le collectif transport qui regroupe un petit peu les assos intéressés par le sujet dans l'agglo nantaise. Mais la vraie question pour moi, c'est j'aimerais qu'on puisse encourager les gens de ne pas avoir une voiture. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'objectif, il faut absolument chercher à faire ça. La solution, c'est pas dans l'organisation des transports publics, ou vélo, c'est pas du tout ça, c'est la forme de la ville. Ouais, c'est ça. Il faut absolument aller vers une forme de la ville où on ait moins besoin de se déplacer à longue distance. Il y a eu beaucoup de choses de dites déjà dans la première phase de diagnostic qui a eu lieu la semaine dernière, je crois. Et aujourd'hui, là, sur essayer de définir un petit peu des propositions, sinon des projets, oui, on se reconnaît totalement là-dedans, il n'y a pas de surprise. Les points noirs, les problèmes de tarification, les problèmes de gestion des personnes à mobilité réduite, les problèmes de saturation, les problèmes de développement à long terme, les problèmes d'énergie, oui, tout était là. Si j'ai une course à faire en ville et que j'ai qu'une heure et demie, je préfère prendre ma voiture, aller me garer et revenir, prendre le train. Parce que plus cher si c'est une heure, ça coûte plus cher que deux tickets. Ah oui, c'est clair. Hein, prendre votre voiture et non, deux tickets, ça va me faire 2,60 et je prends souvent 2 heures de parking, ça va me coûter. Calculer le coût au kilomètre de votre voiture, ça va. Non, mais d'accord, mais qui fait ce calcul? Tout ça, c'est intellectuel. Non, mais personne. Tout le monde fait le calcul de madame. Ça va me prendre beaucoup plus de temps le tram. Le facteur temps est important. Et c'est là où on voit que tout le monde n'est pas intéressé par les transports en commun. Oui. Il y a encore un travail d'élagage à faire dans tout ce qui a été dit au cours de cette année. Mais oui, on a des choses extrêmement intéressantes à proposer, dans tous les domaines. À grande échelle, à petite échelle, reproductible à l'échelle d'un quartier et dans tous les quartiers de la ville. Oui, on a des choses. Oui, c'était très très riche.